Salut tout le monde. Hello. On se retrouve sur Scorn. Tu aimes les jeux luisants, organiques, dégueulasses? Eh ben, ce jeu est fait pour toi. On va reprendre où on était. Avec une sorte de l'image géante à gueule humaine. Ah, oublié, on est au bon endroit. J'avais des doutes. Alors, je crois que là, on avait monté le tableau, oui, c'est ça. Maintenant, il faut qu'on monte. C'est tellement dégueulasse. Tu peux pas t'éloigner? Aller plus loin là-bas? Regarde, regarde, t'as une couille là qui est ouverte là. Oui, je sais pas trop ce que c'est, mais bon. On va t'ouvrir le reste. Et il y a des petites merdes là aussi, par terre là, toutes ces petites merdes. Voilà, ils sont un peu attachés comme des fourmis là. Quoi, ils essayent de traverser là, il y a certaines fourmis là qui font ça. Alors. Parce que c'est, on peut pas s'accroupir, on peut rien faire. Donc bah, on va courir. Je sais pas du tout où je vais, mais les choses sûres. Attends, ça c'est un ascenseur. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Avant de monter dans l'ascenseur là. Peut-être un cul-de-sac. Voir les problèmes. Ah non, ça continue. C'est quoi ce bruit? Ah putain, ça. Wow! Merde, j'ai pas de balles. Ah, j'ai plus rien pour me soigner. Ouais, on va avoir l'ascenseur. Peut-être que c'est juste prendre l'ascenseur et redescendre. Attends, mais techniquement. Ouais, si, si on était à cet endroit, hein, je sais même plus. Ah, je peux pas prendre l'ascenseur. Ah, j'ai oublié d'aller là-bas. Putain. On a que le marteau piqueur là. Elles sont où les petites merdes? Ah, des balles. Ah, au moins ça. Tellement space. C'est tellement space.
couler. Cette petite merde, ça jette des boules. Ah putain, fils de chien, t'es mort. J'ai voulu économiser. Vas-y, vas-y, on va vendre l'économie. Je vais prendre l'arbre, je vais lui dégommer la gueule. Ah, je voulais économiser. Je sais pas ce qui m'attend après cette merde là. Putain, poulet de merde. Attends, faut que je retourne chercher des balles. Je pense qu'en fait, je crois que je suis revenu en arrière. Peut-être c'est là-bas en fait. Bon, c'est pas grave, on va en y retourner. Il y avait des balles au bout. Faut que j'efface. Faut que je les réveille, que je me barre et qu'ils se barrent comme ça après. Tellement dur, putain! C'est fou! Je suis en train de me demander un truc, donc on va regarder vite fait. Charger. Point de contrôle. Si on va charger, ça me parle. Parce que j'ai souvenir que j'étais en train de monter, j'étais en train de faire ce monstre de merde là. Ah non, c'est ça. Bon, bon, on va chercher des balles et on va revenir en arrière. On est dans un. C'est vraiment dégueulasse l'hiver. Y a pas tant d'ennemis ça. Ils arrivent à faire chier ce petit con de merde. Ah ouais. Et si j'y vais pas, il retourne s'agglutiner avec ses potes en fait. Attendez un truc. Normalement je peux passer, je crois. Balles, plus 8 balles, on va avoir de quoi distribuer. Le plus compliqué, ça va être la vie. Ça va porter cette merde. On avait 4 balles dedans. 4, 6. Ok. Maintenant, on retourne en arrière. C'est juste pour venir chercher des balles, en fait. Ok. De toute façon, on est dans une sorte de cage de rang X6, c'est bizarre. Et alors, oh putain, vas-y. Moi je le regarde. Donc là. Oui, je. Ah.
sous le passage. Dégage. Il y a une poulie de merde. Putain, il y a une autre merde là qui vient de se réveiller. Mais sérieux, j'ai pas full de munitions, bordel. Ça casse-toi. Peut-être qu'il va pas m'ouvrir le passage. Je pense qu'il faut que j'aille là, là. Le poulet, il a s'est barré. Je sais pas où j'y vais, mais on y va. La vie, ça m'arrangerait. Ce bruit. En plus, je peux pas sauter là. S'il y a un ennemi qui arrive là, c'est niqué. Pas de mode furtif. Où est-ce que je suis? Je suis perdu. C'est tel. Oh tiens, c'est quoi ça? Putain. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ah bah putain, t'es là, j'avais pas vu. Bon, vas-y. Je pense qu'il faut que je t'ouvre le cul. Il a une main, c'est une main à gauche là. Et il a une sorte de ver de terre à son. Une sorte de ver de terre là sur le dos. Ok. Wow. Wow. Je trace. Pour éviter le conflit. Pas ce qu'il faut. Ah putain, c'est une porte 4, j'ai pas le truc. Ah putain. Ah, je suis 3. J'ai pas la bonne config. C'est labyrinthique, c'est fou ça. Des munitions et des balles. Des munitions et du soin, ça serait cool. Parce qu'il cherche dans mes boyaux là, les mains. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse les trucs avant d'être transformé en rondin de bois là. Bizarre. Hop. Ça, on va le monter encore, je crois. Non? Ah non, faut que. Ah. Hein.
Ça me fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Nouvelle arme. Ah ouais, nouvelle arme. Lance-boulette. Porte-piqueur. Pistolet. Lance-boulette. Ah oh bah tiens. Touk 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 touk. C'est tellement drôle. Et dégueulasse à avoir. C'est tellement stylé quand même le système. Alors, déjà, allez, reload. Oula, ça sent lance-boulette ça. Lance-boulette. Il charge où? 3 par 3. Y'a plus rien sur le truc. Non, y'a plus rien. Ok. Y'a pas du soin là? Non? J'aurais bien voulu du soin moi. Alors. J'ai eu là? Pour économiser, c'est peut-être pas, on va peut-être utiliser pour autre chose. Costaud cette merde. Hein. Putain de costaud. Je sais même pas, vas-y, on y va, je sais même pas où je vais. Je suis complètement paumé. Ta gueule. Ah putain, j'allais dire, j'ai pas le droit de me faire toucher, je l'ai pas vu cet enculé poulet de merde. Putain, il faut trop mal. Sérieux, bordel, je vais recommencer au début là. Je sais même pas si des... je crois même pas qu'il y a des saves automatiques. Ah si, il y a une save ici. Ok. Punaise. Ah la vie, il me faut de la vie là. Après ça va. Je crois que c'est ça, hein. Pistolet, ça c'est un fusil à pompe. C'est tellement chelou quand même. Ah putain, putain. Y'a plus de balles, hein, de toute façon. Bon. Si je vais par là, je vais tomber sur un gros. Est-ce que je peux pas contourner, puisque la porte des 4 là. On n'était pas été à droite. Parce que l'ascenseur, ça nous ramène à cet étage. Ah, je peux configurer mon truc. Ah non, c'est une...
Ah, c'est pas pour configurer, c'est pour ouvrir cette putain de porte. J'ai pas, non, j'ai pas d'esquive quelconque, non, j'ai rien. Là, c'est où? Là, c'est ouvert. Ah non. Bon, je suis obligé de passer par l'autre gros lard, là. Quoique, attends. Ah bah si, si, ouais, j'ai pas le choix. C'est bouché, écoutez, bon, vas-y. On va aller... on va prendre... une boulette. Bon, fusil à pompe, je sais pas si c'est fusil à pompe. Et on va lui claquer le cul à l'autre. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, cette merde. Putain, mais c'est trois coups, c'est combien? Trois beaucoup de coups là, hein? Voilà. Ouais, on va garder, regardez ça. Mais fils de... Putain! Non mais sérieux! C'est casse-couille! Je pensais que ça l'avait headshot, moi, il est rentré dans le décor, là. Punaise! Oh, ça va être casse-couille, hein. Je vais faire 50 000 fois la même chose, là, ça va me saouler, ça. Faire trois pas à mourir là comme une merde, ça va me gonfler vite fait. Un mob de merde en plus là. Quoi, rendre dingue. Oh, on va y retourner. Merde, j'ai pas pris le bon. Je sais même pas si c'est un point faible ou quoi, dans le dos peut-être. Ah oui, dans le cul là, peut-être. Oh. Ah merde, non, c'est pas la bonne arme. Là, on peut même pas sauver en pute. Faut que j'arrive à le passer ce section de merde là. Si je lui mets deux cartouches dans sa gueule direct.
Oh putain! Tu m'attendais pas à voir sa gueule ici! Mais il a accès à partout. On va tenter la théorie du trou du cul. On va attendre qu'il fasse demi-tour. Il y a un fils de pute de poulet. Il y a un fils de pute de poulet, je l'ai vu. Regarde. Y a personne d'autre. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Il me faut des balles. Y a rien ici. Putain, y a qu'un truc pour configurer ma clé. C'est casse-couille, ne pas pouvoir se défendre, c'est un relou. Ah si, il me reste des balles. Ok. Ah ouais, c'est la dernière balle. Santé, bordel, c'est tout ce que je veux. Moi, ouais, je veux de la santé. Je prends une cartouche et je suis mort. Là, ah. Ah, j'ai pas vu. Putain, je suis t'es en train de me prendre la tête là. Je suis redescendu. C'est... tous ces bruits là. Attends. Ça c'est le truc qu'on a déjà ouvert. Donc on s'en fout. Donc il faut que j'aille là-bas. C'était pas là qu'il y avait la télécommande? Non, c'est pas là. C'est en dessous. Merde, c'est pas de côté.
Mais dégage. Saleté de merde. T'en plus, c'est rien. Bon bah. Il va monter. Ah, c'est ça. Je sais pas. Ok, je viens de tilter. J'ai trois merdes à monter. Il en manque une. C'est celle qui est là. La question, c'est comment je fais pour aller en dessous? Ah, ça se recharge pas en plus, c'est merde. Oh bordel. On va monter. Et il va y avoir des ennemis. J'ai pas de balles. Y'a pas... Non. Non, vous voulez pas me donner des balles. Non. Oh. Putain de merde. Contre ça, j'ai pas de balles. Vas-y, on va aller de l'autre côté. Peut-être qu'il y a quelque chose à chercher de l'autre côté avant. J'espère. Ah. Ça m'a juste. Ça fait que me ramener ici. Putain de merde. Putain. En plus, autant les autres, ils viennent, hop, tu te barres, et ils vont faire leur vie, ils se barrent. Mais lui, non, lui, il fait des rondes, lui. Lui, il sait que faire ça, lui, traîner dans le couloir. Et j'ai rien pour le buter. Je vais me faire niquer. Au moment où je trouve de la vie, je vais me faire niquer. Cette aubaine. Vas-y, fous-toi tout dans la gueule. Vas-y, jute-toi la gueule. À mort.
Au moins on peut encaisser un coup ou deux quoi. Quand quoi ce bruit? Putain c'est lui, t'as pas quelque chose à aller voir là-bas? Mais là je suis remonté, je comprends rien. T'inquiète, t'inquiète, bientôt c'est la fin. Moi j'espère. Donc là. Wow! Saleté de merde. Oh, des balles. C'est tellement dégueulasse. Ok. Bon. Voilà, on peut pas. Voilà, on peut pas. Bon, bah, j'imagine que c'était juste un chat. Vas-y, on cavale. Oh, oh, oh. Ah, fils de pute. Je suis prêt entre les deux, qu'est-ce que je fasse? Ouais, je suis mort. Qu'est-ce que je fasse? Il y en a deux là, un qui me prend derrière, un autre devant là. Putain. Oh, c'est une prise de tête. Hein. C'est bon, tu peux rien faire. Je suis où là? Je suis là. Hop, on en parle plus. Ah, fils de pute. Allez, va te faire enculer. Ouais. Saleté de merde. Ça
c'est l'autre con qui fait du bruit là. Allez, on se casse. Bordel. T'inquiète, j'y arrive. J'ai plus de vie. Ah, ils sont changés, bah ouais. Donc là maintenant faut que je redescende. Je crois. Comment je fais pas? Bordel de merde. Faut que j'aille où pour descendre cet endroit de merde là? Possible ça. Ah, faut que je redescende en fait. Et que j'aille où j'avais ouvert la porte, à tous les coups, c'est ça. Attends, mais bah non. Ah, je suis paumé. Quoi ça, ça? Ça monte. Putain, mais c'est où? Où est-ce que c'est, bordel? Ça sert à rien tant que j'ai pas descendu l'autre merde là, ça sert à rien. Mais nous ce... C'est d'où on vient ça? J'ai même plus. J'ai même plus. J'ai même plus où c'est là, je suis paumé. Un truc qu'on a oublié, c'est pas possible.
Elle est remplie là. 3, c'est tout. Putain. Je suis tout seul dans ce vaisseau de merde là. On me fout du jus de je sais pas quoi dans les veines. Eh, il m'a plus, hein. Putain. Regarde-moi ce bâtard là-bas. J'ai pas du tout envie de me battre. Faut les retourner en arrière parce que l'ascenseur là, il... Là, c'est une porte qu'on a ouverte. Casse-toi. Tu veux me faire chier là, vas-y dégage. C'est quoi ces bruits? C'est lui, il est rentré dans son trou. Faut que je retourne à l'ascenseur qui était en bas là. Je pense que c'est ça qu'il fallait que je rappelle. C'était où? Je crois que c'était là. Pas du tout. Ah, enfin. Ah merde! Ah fuck! Il est là-bas! Putain, c'était pas le bon passage, donc attends. Là, je vais à gauche. Tu as enculé, poulet de merde. Faut que je garde mes balles. Il faut que je descende, je suis même pas sûr. Parce que là-bas, on a été chercher les munitions. Oui, c'est ça l'ascenseur que je voulais voir. Pourquoi il est en bas? C'est un endroit où je suis monté et je suis sorti d'un autre côté.
Est-ce que je suis... Oh putain, mais je tourne en rond. Oh, t'es en train de me rendre dingue. T'es en train de tourner en rond là dans cet endroit de merde. Elle est où sa gorge à la con là où je dois descendre? Ici c'est déjà ouvert. On peut rien faire. Mais c'est fou ça. À cet endroit il est fermé. Et je sais que c'est de ce côté, je crois qu'il faut que j'aille, mais. On est toujours pas du bon côté. Non mais putain, mais c'est fou. Je me suis juste enfermé en fait, ça sert à rien cette télécommande. Descendu là, donc le passage il est là-bas. J'en suis sûr, c'est ce côté de merde. Je vais là, il faut que je continue ici. C'est là. Punaise! Allez, on va faire monter là. Voilà, on se casse. Putain, c'était fastidieux, hein. On s'est perdu là dans ce labyrinthe de merde là. On a dû passer trois fois à côté, je crois, et on l'a même pas vu. Donc là. Et ça, ok. Après, je comprends pas trop. Je comprends pas trop le délire là. Où je le mets et il va être rouge ou c'est quoi le délire là? Ouah. Attends, le truc il change là. Ok, ok, je viens de tilter. Ok. Ok. Je viens de comprendre le système.
Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un ascenseur. On voit pas ce qui se passe. Je peux pas me défaire de l'ordi. Tu vois, c'est une fusée. Ah, le monstre il est au-dessus de ma tête en fait. Ok. Je comprends pas là. Les escaliers. Ah, c'est ça. Il est barré ce jeu. Donc là on vient de là. Là le monstre est là. En train de creux. On l'a bien ouvert pour pouvoir monter, ça sert pour rattraper ce putain de tunnel. Il est barré ce jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai merde. Je voulais visiter à droite, mais il n'y a rien à droite. Encore les bras là que t'as dans le beach. Où est-ce qu'ils cherchent? Je sais pas ce qu'ils font. Ah non. Dans un tram. Je vais conduire un train. C'est ça? Et en avant tout, t'es derrière. Eh ben. L'univers est ouf. La monorail. Complètement barré l'univers. Je comprends rien. Je suis sorti d'un cocon. J'ai des racines qui me poussent sur le corps. Moi, des racines, ouais, c'est des racines. L'univers est organique. Des structures, ça fait très style. Osseux, des côtes, vertèbres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Mais c'est dur parce que bah les armes, c'est pas un truc infini, la santé, t'es une chips. Les créatures, elles sont chiantes. Et je me demande si elles ont pas des points faibles avec le marteau piqueur, si je peux pas. Parce que des fois ça lui enfonce dans la gueule, il meurt direct. Alors je me demande s'il n'y a pas un moment, un timing où tu dois lui coller le truc dans la gueule pour lui faire fermer sa gueule. Je peux pas tomber, je peux pas m'accroupir, je peux pas sauter. Voilà, tu cours. Ta vie, c'est tu cours. C'est quoi ça? On va aller voir quand même. C'est rien, ça peut. Ça fait... Il n'y a pas des jumelles, j'aurais bien voulu zoomer. C'est un corps humain. Non, ça fait bizarre avec la fente, on a l'impression qu'elle est en train de pisser ou de chier, mais. Ok. Les trucs ils se décomposent, on a l'impression. Comme si c'est frité. Oh là là là, c'est quoi ça? Me dis pas qu'on va se taper des gens, c'est juste une statue, hein, assure-moi. Faut j'aille là-dessus? Un tunnel. Avant de monter. Je tire dessus, je sais même pas. Ça me fait chier de gasser une balle pour rien. On est fixé? Non. J'ai gassé une balle pour rien. Mais il fallait que je teste. Vu que les autres, là, on n'a pas accès. Deux. Je sais pas. Ah, t'avances, hein? Mais alors. J'ai rien compris. L'histoire, je suis dans les choux complets. Mais arrête de te dire ce que c'est, j'en sais foutrement rien. Je suis sorti d'un cocon, là, eu trop de balles d'un alien. Je me déambule. Il y a un mec là, et ça, c'est une femme qui est. Qui a pas de jambes. Ah, si, elle a ses jambes, elles sont là. Ok. Part dans l'érotisme. Quelqu'un qui m'attend là. Vas-y, on va aller voir. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. C'est pas comme si j'avais le choix. Putain, système nerveux. Ou alors, genre, tu nais. Et en fait, t'as. Comment dire? Tu nais et tu fais ton chemin. T'as ceux qui meurent en chemin et. Toi, faut que t'arrives au bout. Attends, j'ai cru voir quelqu'un là-bas à quatre pattes. Et si t'arrives au bout de ton périple, tu es l'élu. Sinon, j'en sais foutrement rien. Attends, je vais me tilter là. Ah oui, c'est...
Ah oui, on lui a enlevé, décollé la peau. Ah ouais, c'est top ambiance ici. J'ai pas de lampe-torche, je peux pas voir, j'aurais bien voulu voir. Comment je peux aller là-bas? Ah ouais, c'est l'homme écureuil volant. Tu me diras, vas-y, on peut se coller, hein. Ça file 2-2 à chaque fois, donc autant se le foutre. Ouais, c'est stylé là-bas, ça a l'air sympa. Ça a l'air folle ambiance. Il y a des trous. Ok. Comment je fais pour aller? Visiblement, c'est pas par là. Ah bah non plus. Visiblement, ça va être de l'autre côté alors. Qu'est-ce qui nous attend là? Qu'est-ce qui va venir nous briser les rouleaux là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une pile? D'accord. Ok, c'est une pile à mettre quelque part, d'accord. Là, c'est le côté où l'escalier est pété. Ok, bon bah voilà. Y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Ah, c'est tout? Je mets pas ma main là-dedans là? Oh bordel. C'est quoi la merde là-bas, là, dans la cage? Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh tiens. On va en profiter, hein, avant que ça parte en quenelle. Vas-y, généreux. 4. Hop. Et ah. Vas-y. Ça annonce les problèmes. Ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes. Allez, recharge. Ah bon, les problèmes arrivent. Alors. Là, c'est fait. Donc, je peux recharger ça? Non, je peux pas recharger mon marteau piqueur, c'est juste un piqueur, c'est juste un... Est-ce qu'il reste des balles là? Non, il reste plus rien. Ok. Donc, j'ai deux couilles qu'il faut que je prenne. Non, je voulais pas lancer le truc. Ok, j'ai un truc là-bas. J'ai vu un truc là-bas. Mais attends, c'est quoi les pas là? C'est quelqu'un qui arrive. Allez, hop.
En fait, c'est moi qui réveille les créatures, en fait. Ok. Attends, maintenant que j'ai mis le cœur, faut que j'aille aller marcher là-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Faut que je tire dessus. Si? Ah non. Allez, hop, une balle de perdu. Faut que je tire dessus sur lui. Ah oui. Ok, ça c'est fait. Donc, vas-y, un deuxième œuf. Ça fait rêver. Ça donne envie d'avoir des enfants, ça. J'imagine, je peux pas le mettre là. Il faut que je... Ah, si. Non? Ah, attends. Vas-y, reste ici. Je reviens. Peut-être qu'on peut ramasser le tétard dégueulasse, là. Voilà. Oh. Ok. Ah ouais, je fais quoi avec cette merde? La poubelle? Ah, je vais là-dessus. Une offrande? C'est ça? Avec cette merde. Par cette porte. Ça fait rien. Je comprends pas là. Attends. Ah, je vais laisser là-dessus. Poser. Poubelle. Là, je peux rien faire, hein. Je peux pas prendre d'armes, je peux rien faire du tout. Et bah, je suppose qu'il faut que je reviens en arrière. Oh.
Déjà. Ah ok. Ah ouais, d'accord. C'était pour ça, pour faire du jus de chaussette. J'avais oublié le cylindre. Et donc maintenant, je peux revenir là. Et je refous du jus. Full. Full jus. Allez, full jus. Eh, itadakimasu. Et la vie fut. Ok. Alors, on retourne là-bas, mais j'ai plus de cylindre. Il va m'en redonner un là-bas. Ah, ok. Ah, si, je l'avais. Ok. J'ai pas fait gaffe qu'il avait pris. Je pensais qu'il l'avait laissé dans la machine. Donc là, on reprend ça. Ça peut arriver, hein. Vive la nursery. Mets ça, hop. Là-dedans. Pourquoi m'emmerder? Ah putain, lui réagit. Ah, fils de pute. Ah putain, c'est lui qu'il faut que je fight. Comment tu chasses? Ah ok, j'ai vu. Aïe! C'est quoi qui me touche là? Comment je fais pour passer derrière lui? Bloqué, je pouvais pas passer. J'ai compris. Pas à tirer dessus, j'ai juste à le faire tirer en fait. Et quand il s'est fini de se vider, il se recharge.
Donne-moi ça, tiens. T'es plus rapide que je tire. J'attendais que le tir se concentre. J'ai plus de balles. Tire dans les pattes, ça lui fait rien. Il tire, enfoiré. Cadavre et un truc à prendre. Non. Oh, allez, tiens dans ta gueule. Tuer le connard. Il y a un bras là-haut là. Aïe, fils de chien, t'es mort. Tout est tiré, t'es mal. Aïe,
putain. Punaise! Petite merde dégueulasse! Donne-moi ton bras là! C'est bon là, y'a plus personne qui conduit là! Et hop là! À moi le lance-boulette! Attends, y'a un truc là! Mais y'a combien d'armes? Allez, on ramasse cette petite merde là! Allons faire du jus de chaussette avec cette merde. Je peux pas charger de... Ok, je sais ce que tu... Il va y avoir une connerie du genre. Pas d'avis et des munitions. Rien. Attends. Lui, il avait des munitions dans son dos. Ah. C'est ça qu'on veut. Merci. Ah, c'est tout. Ok. Bon, on va encore avoir un autre fight, mais cette fois avec un lance-boulette. Allez, hop. Hop là. Voilà, pourquoi... Laisse-moi reculer. Ou il me prend un coup. Vas-y! Et ça, vite-toi! Avant de prendre le bébé là, petite recharge, hop, merci bien. Et maintenant on va prendre bébé caca là. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde là? On peut pas ramasser. Bon, allez,
C'est dans space, bah alors. Hop, dans le jus de fœtus de merde. Qui veut partir en couille là? Ah, ma main. Un sale parasite. Hein. Oh! Qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, que... Mais mets-le ! Putain de braquette sert à rien, là. Ok, alors... Bah, attends. On peut descendre. Ça va me déraciner le bras. Ah. Ah ouais, à quel prix? Oh putain. Je suis en train de crever. Faut que je retourne. Ah. Bon, déjà, un lance-boulette ici, déjà. Là qui est réglé, qu'est-ce que ça va faire? Ok, ça ouvre la porte là-bas. Ça c'est quoi? Ok, un exosquelette, ok. Faut que je me mette là-dedans. Et j'aurai des bras... J'aurai un bras... Ok. Vas-y. Bon, on y retourne. Ah merde, c'est juste un lance-boulette. Attends, mais je suis en train de crever là. J'ai plus de vie. Qu'est-ce que je branle? Le prochain truc, je meurs. C'est quoi ça? Ah non, c'est pour me déraciner le bras. Ah, tiens. La vie. Mais au vu du truc, la moitié, ça va faire 4. 3. 4, il aurait pu me donner encore, il y avait encore du sang dans le truc. Vas-y. Oh non. Vas-y, injecte, injecte. Injecte. Colle-toi du bon jus de chance. Vas-y. Hop. Ah bah oui. Ah bah oui. Forcément. Allez. Ok,
Bon. Pour ça, il n'y a pas besoin de mon bras. C'est quoi le projet là? Attends, là-bas, c'est combien? Ah, ok. Je viens de tuer. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah laisse tomber, on a tiré qu'une seule cartouche. On a pas ce qu'il faut. Oui, je sais. Ok. On va retourner derrière. Ça, c'est fait. On n'a pas la config, on va aller là. Top ambiance, hein? Y'a rien, pas de vie. Ah, mais oui, mais. Je peux rien faire avec les doigts en chaussettes, là. Et ça va m'ouvrir ce passage pour passer, ok. J'aurais jamais le temps de courir. Y'a un truc là? Rien. Je devrais courir jusque. Non, j'aurai jamais le temps. Il est cassé le truc là, techniquement. Ah oui, il est cassé, bon, ok. On quitte. Donc. Là. Non, ce serait des racines. Ouais, non, j'aurais jamais le temps. Courir comme ça et arriver là, essayer, mais je reste sceptique, hein. Putain, devant le truc là. Ah, j'avais pas vu. Ah mais oui, mais je peux pas changer. Temple de la reproduction.
Non, ça sert à rien du tout, je réessaye. J'arriverai pas. Ce truc-là, il a l'air de pouvoir tourner. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je dois le faire? J'ai un truc à péter. Attends, je vais voir un truc là. Il y a des chaînes, une sorte de chaînes là, je me disais peut-être que ça supporte quelque chose. Possible, il y a vraiment un truc avec le lance-boulette, c'est pas possible. Ça, c'était péter les chaînes qui sont là, ça a arrêté les chaînes de production. Non, on fait que s'enlever le putain de bras. Ah, il y a cette putain de porte. Mais il y a rien d'autre.
Et y'a les putains de portillons. C'est con, mais je vois que ça, hein. Courir. Allez, 10 secondes. Il y a 10 secondes à peu près. On va retenter. Peut-être au millimètre, savoir. Je prends une des meilleures courbes. C'est pas ça. Ça met 9 secondes. Il y aurait une seconde de plus, j'atteignais le truc, je mettais mon bras et basta, on n'en parlait plus. Ouais, c'est bon, je sais que... Ouais. Non, il y a un truc, c'est pas possible. Parce que là, je peux pas prendre plus court. Tire là, là, pouf, tu cours ici, et hop. Ah, ça y est, mais... Chier, y a pas de tortiller du cul du vent, hein. Y a rien à faire ici. Hein. Putain, faut faire quoi, bordel de merde? Ah mais je suis con, mais je suis con. Je croyais que c'était une porte, mais non, mais c'est le truc pour programmer le truc, mais je suis trop con. Je suis aveugle. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je croyais que c'était un truc d'activation, mais je crois que c'est pour reprogrammer ma télécommande. Je suis trop con. Je suis trop aveugle. Je vais pouvoir. Mais maintenant que j'ai compris le truc, je vais crever. Parce que j'ai plus de vie à force d'avoir essayé. Putain, je suis trop con. Je suis bigleux. Je pensais que c'était. Que c'était tout sauf le truc pour reprogrammer ma machine. Ah, je te jure. Bigle sur 20. Donc là, bah, maintenant, on retourne à la machine ici. Non, c'est pas là. J'ai perdu toute ma vie à tester des trucs qui ne servent à rien.
J'arrive là, j'ai plus de vie. J'espère qu'il n'y a pas un ennemi parce que alors là, ça me coûte 40. Je peux même pas me recharger. Ah, ça va me traiter la racine. Quoi? Oh non, mais c'est sérieux. Y'a pas un truc pour la racine ici? Mais je vais. Et on va tenter, hein. Quoi, jusque là-bas, la machine. Il me restait une barre, il restait encore du sang dans mon truc, là, dans la barre d'énergie. En fait, la barre d'énergie, c'est pas toute la barre, en fait. Dès qu'il te reste une partie, finito. Ah, d'accord. Ok, bon, allez, hop, on recharge. Ici, je crois que de toute façon, on avait fini, hein, il n'y a rien à rechercher. Pas d'œufs, pas de munitions, pas de soins. On se casse. Ah non, ah ok. Ah il me met juste avant. Ah mais non mais je peux pas, c'est vrai. Et bah. Comment je fais? Mais non, mais je suis con. Je suis con. C'est pas lui, lui c'est le premier. Il est là-bas, l'autre. Putain. Hop. C'est mort. J'aurai jamais le temps d'arriver au truc, donc je pense qu'il faut que j'avance. Et donc allons-y, allons-y, on est full.
On s'en fout. Je crois qu'on l'a, ouais, on a déjà tes commandes de celle-là. Allez, donne-moi full. Se mettre, hein. Ok, allez, on recommence. Moins de temps que hein. Je suis assis, quoi. On est passé 50 fois devant, je te jure. Alors là maintenant on va pouvoir ouvrir cette putain de porte, le truc de oh putain, ça aurait été nickel. J'aurais dû courir contre la porte pendant qu'elle s'ouvrait. Peut-être la seconde qui me manquait. Est-ce que j'aurais le temps? Pas le temps. Ah oui, c'est bien ce que je crois. C'est le palais de la fornication, en fait. C'est bien ça. Bref. On a ouvert cette porte qui donne accès à une putain de machine. Mais... il n'y a rien pour me... pour me déraciner le bras. C'est mort.
C'est quoi le chemin de blic là? Et jusque là-bas, j'arrive jamais. Déjà là, c'est mort. C'est trop loin. Qu'est-ce que j'ai pas vu, bordel? Faut que je retourne en arrière. On va monter voir.
Je pite à rien. Je crois pas que... On va tenter, mais... Je crois pas que j'arrête. C'est quoi ça veut dire? Pourquoi? C'est encore plus court. C'est encore plus court que... J'ai même pas fait 5 secondes, même pas 4. C'est quoi ce bordel? Sur la machine, ah, je vais essayer d'aller jusqu'à la machine. J'enlève le parasite. What the fuck, c'est quoi ce truc? C'est vraiment... Ah mais c'est la merde du début. C'est le truc qui m'est... qui soi-disant m'aider, mais en fait... Je vais pas bien. Ah, j'ai plus rien pour me soigner, j'ai plus rien. Donc là, je vais pouvoir mettre le truc... dans la meuf, qui est de l'autre côté... Merde, qui est de ce côté? Ouais, qui est de ce côté. Je pensais que j'avais pas le temps, mais c'était limite en fait. Non, c'est pas par là.
Attends, je vais ouvrir. Ici, vu que j'ai plus l'exoxygène, je vais pouvoir ouvrir. Et c'est de là que je repars. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Ah ouais! Ah ouais, il m'a ouvert la. Ah ouais, carrément, je me suis ouvert la cage sur la réussite, je suis en train de tenir mes tripes. C'est la fin. Bon, on a perdu pas une demi-heure, hein, facile à tourner en rond parce que le truc, j'avais pas vu que c'était le truc pour reprogrammer la télécommande, la clé. Parce que bon. Aveugle sur 20. Déjà, c'est étonnant que t'arrives à marcher déjà. On va aller sur la machine. Donc là, il faut que je remonte. Je crois que c'était ce qui est de droite, je crois. Non, celui de gauche. Je crois que c'est celui de gauche. Alors, oh, on va se faire une nage. Attends, avant, on va aller voir là-bas. J'ai quand même une petite indigestion. Ah bah, quel décor. Ok, bon, allons mettre. C'est la tour. De l'enfantement, de la naissance, de la renaissance, ou de la naissance, ou on sait pas trop, mais en tout cas, ça a l'air de se donner à cœur joie dans les ébats reproductifs. Alors. Ah oui, c'est nous qu'on va mettre. Ok. What? Ok.
C'est machine pour chirurgie esthétique. C'est quoi ce jeu? Des calottages. Ok, enchanté. Ça y est, je suis relié à la matrice. Partie de tous ces gens là. Ah non, j'ai les mains libres moi. Attends, c'est mon ventre là que je viens de voir, je suis enceinte. Je suis en gestation. Du coup je suis un homme, une femme, un hybride, c'est quoi le truc, c'est quoi le projet là? Chacun son tour. Attends. Je vois un truc changer. C'est quoi le truc changé en bas à gauche? Ah, je peux. Ah, ok, je vais ramener les deux là. Pour nourrir le grand tout. C'est ça? Ah, j'ai plus le truc. Ah oui. Où est-ce que je l'ai vu? Là. Ah, on cherchait la key. C'est parti. Wolverine. Ok. Là faut que je change, mais comment je change? C'est ça le truc. 1, 2, 3, non. Shift, non. Tab, non. Ça, non. Non plus, non plus. R, V, T, W, Y, non. Espace. Ok. Maintenant, on va avec elle. Vas-y, on va voir notre gueule, tiens. Oh, on a la même gueule que l'autre, tu me diras. What? Chercher notre clé. Ok. Maintenant, je vais l'enfoncer dans la porte. Ça, il y a un trou dans la porte où je vais rentrer. Ah non, tiens. Change. Quitter. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Attends. Si ça, c'est les deux meufs. En train de travailler sur moi, le mec. Faut que je retourne me voir avec la meuf, ok. Genre, je le libère. Vas-y, hein, on va retourner là-dessus.
Au moins que elle, ou lui, on sait pas trop, mais bon. Et là-dessus, on va chercher l'autre là-bas. Bah, on va me chercher, parce que c'est moi au final qui est au milieu là, je pensais que. Mais non, non. Là, on arrive là, hop. Monsieur le Toubib. J'ai quoi, vos clés? J'espère. Je prends la relève. J'ai pris un truc pour que tu fais. Ah, faut qu'ils sentent la douleur pour pas qu'ils dorment, c'est ça? C'est bon la douleur. Et lui, je vais le poser sur les strapontins. Comment? Je serais curieux de savoir comment les gars ont eu l'idée de faire ce genre de, d'univers, quoi. Avec moi, visiblement. Pourquoi avoir pris la tentacule couteau là? C'est bon la douleur. T'aimes la douleur. J'arrête, ah ouais, ils arrêtent, c'est moi, en fait, c'est moi qui avance pas vite. Ah, je peux plus rien faire. Oh, y a la petite merde. Encore elle. C'est super organique. Vous avez toutes les veines là qui courent au sol. C'est moi ça? Avec le parasite? C'était quoi le but? J'ai rien compris.
C'est fini? C'est ça le... J'ai rien compris. On est né et on a déambulé dans ce monde pour arriver à la fin et se faire parasiter par une merde et voilà. J'ai rien compris à l'histoire. Par que je devais survivre et à tenir au maximum pour arriver à la fin et être en connexion avec tout le système du truc. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, c'était gore. C'était bien dégueulasse. L'ambiance est bien dégueulasse. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde pour un autre jeu plus dégueulasse, moins dégueulasse. Dans tous les cas, pour un autre jeu. Ciao!